s'appelle cet étrange objet en bois et à quoi sert-il? Alors, c'est le couchoir tout peint. C'est un outil en bois que les cordiers utilisent pour former la corde à partir des taurons. Je comprends maintenant l'intérêt d'avoir en fait un bâtiment aussi long. C'est ça. On tire nos fils sur 140 mètres au moins pour avoir une corde de 100 mètres finie. Moi, j'imaginais pas que c'était aussi physique que ça, parce que toute la journée, il y a ces allers-retours, quoi. Voilà, et bon, on s'imagine pas, mais une corde là, comme ça, qui est une corde des plus simples qu'on fabrique, elle passe entre 4 paires de mains. Ah oui, je me trompe ou en fait, tu gardes toujours le même rythme en marchant? Non, c'est important d'avoir toujours le même rythme, parce que en fait, on veut avoir un pas régulier. Voilà, pour le cordage, pour que le cordage soit régulier. Mais alors, comment tu fais pour avoir le bon rythme? Il faut avoir une musique dans la tête. Donc on a chacun notre petite musique à nous pour avoir le bon pas. Chacun la sienne? C'est ça. Et alors pour toi, c'est quoi? Et bah là, moi, par exemple, j'ai ACDC, I Wet Well, et ça me donne le pas. Eh ouais, je l'ai. I Wet Well. Voilà. En même temps, ça motive.